Salut à tous, bienvenue sur Bad Pat Fitness. J'espère que vous allez bien. Ça va, alhamdoulilah, au top. Le sport, c'est une hygiène de vie. Oui, c'est une hygiène de vie parce que déjà, on s'entretient, on se fait plaisir, on élimine les microbes, les virus qui sont dans le corps, on élimine aussi surpoids, le poids, ça qui vient de prendre du poids. On élimine aussi le caractère mauvais, être un excité aussi, les gens qui sont excités de la vie. Et surtout, c'est d'avoir une bonne circulation de sang partout dans le corps. Et surtout, c'est d'entretenir le cœur, d'entretenir aussi tout ce qui est circulation du sang et entretenir aussi le moral, le mental. Et surtout, ça va tout dedans. Et surtout, et garder aussi la pêche, la garder à la fois la forme. Et surtout, c'est d'avoir une bonne santé physique, morale, de faire des choses avant qu'il soit trop tard. Oui. Donc, avant qu'il soit trop tard, c'est de bannir déjà la cigarette parce que vous allez être étouffé. De faire la fête abusif et de toucher des produits interdits en France. Donc, les amis, moi je vous donne, moi je suis pas un connard, je suis quelqu'un qui va vous booster à vous cultiver dans le sport. Il n'y a pas mieux que ça, il n'y a pas mieux que le sport, de se vider, de prendre 1 heure de sport par jour, ça va pas vous tuer. Au lieu d'aller critiquer, au lieu d'aller racketter des gens dans la rue, au lieu d'aller faire la marionnette, le mariole dans la rue, allez faire le sport, ce sera mieux pour les marionnettes. Donc, les amis, je vous donne un conseil, faites du sport pendant que vous êtes jeune, avant qu'il soit trop tard, et vous allez voir que vous allez le regretter. Le jour que vous allez avoir une mauvaise nouvelle dans votre corps, que vous avez un caillou dans le sang, que vous avez un cancer, que vous avez des problèmes des os, que vous avez des problèmes de cœur, que vous commencez à choper quelques saloperies de boutons dans le corps, là, vous allez dire, pourquoi j'ai pas fait de sport? Et surtout, celles ou celui qui sont obèses, c'est le moment de faire du sport. Pour le cardio, parce que le gras étouffe le cœur, étouffe les intestins, étouffe par rapport à tout. Dans le corps, tu as la moitié du sang qui circule. Une personne qui fait 160 kilos a du mal à respirer, a du mal à monter des marches d'escalier. Pourquoi le sang ne circule pas énormément? C'est que vous pouvez avoir des problèmes. Il n'y a que le sport. Arrêtez de vous implanter des anneaux à l'hôpital. Allez vous faire ça naturellement. Ça, c'est pas du naturel. Vous allez choper un cancer. Déjà, vous allez être stérile. Vous n'allez pas faire d'enfant. Déjà, vous êtes malhonnête de vous-même. Parce que vous êtes des vauriens. Vous n'êtes pas capable de faire du sport. Allez vous poser un anneau. Faites du sport et bougez votre fesse et bougez vos pornichons et vous allez voir que vous allez avoir des résultats. Je vous dis à la prochaine, les amis!